Avec l'hydroélectricité dans les vallées alpines, je vous propose une petite parenthèse dans les discussions d'ESPER aux aspects plutôt financiers pour nous plonger dans l'exemple du Valais. L'exemple du Valais, puisque nous avons Myriam Éveco, historienne, Jean Pralon, ancien directeur, ancien président des forces motrices valaisannes, et Emmanuel Reynard, professeur à l'Université de Lausanne. Donc le titre vous dit déjà qu'on se plonge dans quelque chose de plus concret, de plus ancré aussi dans le passé. La mise en valeur des richesses hydroélectriques du Valais est effectivement un élément du développement du canton. L'aventure des barrages et de l'hydroélectricité reflète les transformations de notre société, illustre le développement technique, montre l'évolution du travail des hommes. Rappelons quand même que le canton du Valais, qui représente le 12% de la superficie de la Suisse, possède dans ses montagnes, avec 56% des glaciers du pays, la plus importante réserve hydraulique de Suisse, si ce n'est d'Europe. Les Valaisans n'ont pas attendu le XXe siècle pour exploiter cette ressource. Vous le voyez dans cette image d'alpage, il y a déjà une utilisation de l'eau. Mais l'histoire de l'hydroélectricité est plus récente, j'en fais un petit rappel historique, qui peut se lire en quatre périodes. On a d'abord les premiers aménagements. Le Valais découvre l'électricité et le formidable potentiel que représentent les rivières avant 1890, mais l'aventure des forces hydrauliques commence véritablement avec la première concession accordée en 1891 pour l'exploitation des forces du Rhône. Un petit clin d'œil à M. Brélin, au Bois Noir, entre Eviona et Lavey, près de Saint-Maurice. En 1892 déjà, Zermatt passe à l'éclairage électrique et très vite le canton élabore une législation pionnière en matière de concession. Au tournant du XXe siècle, les grandes industries gourmandes en électricité pour leur production s'installent à Valais. C'est le cas de la Lonza en 1897, de la Ciba à Monté et puis l'année suivante à Sierre à Lussuisse. Et on voit que dans cette période, au tournant du XXe siècle, il y a déjà des aménagements importants qui sont en place. Quand on passe à la deuxième période, donc après la première guerre jusqu'après la deuxième, on découvre à ce moment-là une échelle relativement petite, la possibilité des barrages en altitude avec les CFF qui construisent Barberine à la fin de la guerre. Et puis, ce sera surtout plus important, la Dixence, la première Dixence dans les années 30, qui va marquer la grande production de cette période. Avec de tels aménagements, l'augmentation de la production valaisanne est sensible. Nous le voyons dans cette image de la Dixence, mais aussi surtout dans cette carte, où de nouveaux aménagements sont installés, pas très nombreux. Vous les voyez assez mal en vert par rapport au noir qu'il y avait à la première période. Après la Deuxième Guerre, commence véritablement l'épopée des barrages. Entre 1932 et 1945, le service fédéral des eaux mène une véritable enquête à travers la Suisse pour découvrir toutes les potentialités de retenue en altitude. Et parmi ces potentialités, ce qui frappe, c'est surtout à Uri, à Andermatt, de faire un immense barrage, et puis au Tessin, dans la région de Suffers-Anders. Le Valais arrive un peu plus tard, puisque c'est seulement en 1945 qu'est publié les forces hydrauliques disponibles de la Suisse dans le bassin du Rhône. Mais là, c'est une véritable récolte importante qui s'avère très utile. Et on a une carte des aménagements
qui est proposée. Ce qui va sauver, entre guillemets, le Valais, c'est que les sites les plus intéressants du Riz et du Tessin imposent de noyer des villages comme Andermatt et comme Souffers, et finalement ça va booster les aménagements valaisans parce que c'est en haute montagne, on ne dérange que des alpages, on noie quelques chamois et puis il n'y a pas de levée populaire, contrairement à Uri où la population se révolte et chasse l'ingénieur qui faisait les études. Donc en Valais, ce qui va surtout ressortir, c'est l'immense aménagement de la grande Ixance, et avec au départ un système global qui incluait aussi la vallée de Bagne, et puis finalement, à cause des tensions et justement peut-être aussi des replis des financiers intéressés par URI et le Tessin, qui favorisent l'installation de deux aménagements concurrents, Mauvoisin et la Grande Ixance. Puis, dans cette période, se créent beaucoup de barrages, donc le Mauvoisin qu'on a vu, la grande Ixance qui est véritablement impressionnante, et plus tard, Émosson, mais il y a aussi Zeuzier, Matemarck et différents aménagements. Dans la période suivante, donc là on est en 45-89, vous voyez véritablement un accroissement très très important des puissances installées à travers le Valais. Et puis, à partir des années 80, on entre dans une quatrième phase où on va essayer de rentabiliser davantage les aménagements, donc c'est essentiellement le pompage-turbinage, avec l'exemple type d'Émosson qui est du Nandrance qui est encore en cours maintenant. Et voilà la situation actuelle avec l'incidence de ces nouveaux aménagements en violet. Et là, vous avez d'une manière synchronique tous les aménagements réalisés en Valais. Vous voyez que c'est vraiment non pas un gruyère, mais une série d'installations importante. Alors nous allons maintenant attaquer cette table ronde d'une manière un petit peu différente parce qu'il n'y a pas vraiment un grand débat sur ces questions historiques. Et je demanderai à Myriam Evéco pour commencer, qui est donc, à Emmanuel Reynard. D'abord des choses solides, hein, la géographie. Comment ces barrages interviennent, transforment le paysage. Il faut revenir au début. Voilà, merci beaucoup. Alors, effectivement, Jean-Henri m'a demandé de parler de l'influence des barrages sur la géographie du Valais. Alors, si vous regardez la dernière carte qu'il a montrée, elle résume cette influence, hein, qui se fait quasiment sur l'ensemble du Valais. Et il m'a demandé de le faire en 5 minutes. Alors, c'est un petit peu difficile, et donc je me suis concentré sur quelques points qui peut-être pourront nourrir un petit peu le débat. Alors, on va d'abord s'intéresser à l'influence sur la géographie physique, et je pense que le point le plus important, c'est les transformations des régimes hydrologiques, donc de la répartition saisonnière des débits. Alors les rivières, oui, je parle toujours un peu fort, je suis désolé. Les rivières valaisannes sont caractérisées en fait par des régimes autant glaciaires que nivales principalement, donc avec ce pic de crue en été et puis les étiages en hiver qui sont exploités donc par la force hydraulique. Ça c'est les débits naturels. Alors les changements qui ont eu lieu sont importants, mais ils sont différenciés selon les types de rivières. Et grosso modo, on peut distinguer finalement trois types de rivières qui sont impactées par les aménagements hydroélectriques. Les premières, c'est celles qui sont situées à l'amont des captages,
où le régime reste identique. Donc les seuls changements, ça va être les changements dans la production liée à la fonte glaciaire qui, notamment dans le futur, va se modifier. Deuxième cas de figure, ce sont les tronçons à régime influencé qui sont situés à l'aval. Et là, la grande transformation, c'est en fait l'aplanissement de ce pic de crue. Sur certains tronçons, même à la limite, une quasi-disparition des débits et donc une transformation drastique du régime. Et puis finalement, à l'aval des centrales, donc principalement dans le Rhône, on a une diminution du pic estival et une augmentation des débits hivernaux. C'est ce qu'on appelle les tronçons à marnage. Alors, ça a été, autant en Valais qu'ailleurs, une transformation très forte qui a eu des répercussions, notamment en termes de pêche, et qui a suscité le lancement d'initiatives pour en fait octroyer des débits résiduels minimaux garantis par la loi. Alors je me suis amusé à aller chercher la carte du Nouvel East après la votation qui a eu lieu en 1992 et vous voyez que le Valais n'a pas attendu ni la Latte ni l'Alex Weber pour se différencier du reste de la Suisse. Cette loi a été adoptée et donc a inscrit les articles 31 et suivants qui demandent que, au retour des concessions principalement, on redonne plus de débit aux rivières. Et ça, je pense que c'est un point assez important dans les discussions sur le futur aussi, parce que, en tout cas, certains acteurs remettent en question évidemment cet aspect-là. Deuxième point sur lequel je voulais juste m'arrêter, c'est la question des sédiments. Si on diminue les débits, on diminue la capacité des rivières à transformer les sédiments. Et là aussi, on a un visage un peu différencié. Dans les Hautes-Vallées, on a des dépôts de sédiments. Vous pouvez passer, par exemple, ici, c'est Arola, la suivante. Ça, c'est Satarma, l'aval d'Arola. En fait, ces vallées en fait, voient leurs sédiments piégés et on a maintenant des espèces de nappes de sédiments qui commencent à descendre dans les vallées. Et ça, c'est un enjeu environnemental assez important qui se met en place de plus en plus avec le temps. À l'aval, dans le Rhône, c'est un peu le contraire. L'incidence a été une réduction des apports et donc une augmentation de l'incision qui est venu si on veut renforcer en fait les effets de la première, surtout la deuxième correction du Rhône. Du point de vue, alors quand même un effet bénéfique, c'est la possibilité d'utiliser les barrages pour la rétention contre les crues. Et le Valais a mis en place un système qui s'appelle Minerve, où augmenter la capacité de certains barrages, comme ici à Matmark, pour permettre de stocker les crues principalement automnales. Du point de vue de la géographie humaine, j'en parle pas énormément parce que j'imagine que notamment Myriam Eveco va en dire un petit peu plus. Je voulais mettre le point sur deux aspects. Le premier, c'est le désenclavement des vallées. En fait, la construction de ces grands barrages a nécessité de faire des améliorations pour les routes, comme par exemple dans le cas du Val d'Anivier, on voit que au cours du temps, il y a des améliorations qui sont liées à la construction des barrages. Ici, c'est une photo des pyramides de Zaigne et d'une plaque 1947. Ça correspond justement à cette nécessité d'améliorer l'entrée dans les vallées. Et puis, pour terminer, la question du paysage. Alors là aussi, la situation est un peu différenciée, peut-être pas tellement du point de vue géographique, mais du point de vue de la perception. Parce que certains vont considérer qu'un barrage c'est beau, d'autres pas. Alors c'est clair que sur le moment il y a eu des incidences très fortes hein, sur les paysages de haute altitude et maintenant et des combats comme par exemple ici à Salanf entre différents acteurs. Maintenant par contre beaucoup de ces barrages sont des attractions touristiques, on l'a vu encore dans le cadre du Tour de France cette année. Et on voit bien que cette valeur paysagère des barrages, elle a évolué au cours du temps. Voilà, merci. Merci Emmanuel. Complément de la part de Myriam. Peut-être un coup d'œil sur la carte topographique
avant la Deuxième Guerre mondiale, ou dans les années 75-80, bah déjà c'est le bleu. Il se trouve que nous avons des lacs artificiels dans de nombreuses vallées, donc il y a un impact sur l'ensemble du canton. Sur l'évolution du paysage, il y a des travaux qui ont été faits, notamment sur le Val d'Anivier, et les auteurs signalent bien que c'est l'hydroélectricité qui a été le facteur le plus impactant sur les changements du paysage, notamment par tous les engins techniques qui interviennent par rapport aux travaux qui s'effectuaient préalablement plutôt manuellement. Donc, ils mettent notamment en évidence le bulldozer qui arrivait. Un autre élément peut-être qui jouait en faveur des barrages à ce moment-là, c'est que l'élevage, depuis la Seconde Guerre mondiale, dans les Hautes-Alpes, était en baisse. Et pour Anivier, ils font le constat, ils passent de 1100 unités de gros bétail en 1946 à la moitié moins en 1966. Donc il n'y a pas concurrence dans l'exploitation de ces zones, puisqu'on a moins de bétail, on a moins besoin d'alpage. Donc, on peut noyer ces alpages. L'impact aussi, c'est le béton, l'arrivée en masse du béton dans le paysage valaisan, soit dans les constructions de barrages eux-mêmes, soit même dans les œuvres d'art. On peut penser à l'église des Rémences, construite par l'architecte Förderer en 1971. Donc, c'est aussi d'autres matériaux qui entrent en masse. Les voies de communication, effectivement, comme l'a signalé Emmanuel, jouent un rôle important pour d'autres développements économiques du Valais. Je pense notamment au tourisme, qui bénéficie de toutes les infrastructures jusqu'au fond des vallées, et qui bénéficie aussi de l'énergie, puisque tous les transports à câbles qui sont développés utilisent cette énergie électrique. Enfin, il y a des choses moins visibles, mais qui laissent un impact. Je pense notamment à en plaine. Les téléferrages partaient également de la plaine. Je pense à la construction de Cleuson, par exemple, où l'embranchement ferroviaire qui partait de la gare d'Ardon traversait la plaine. Et la zone industrielle de la commune de Vétreau est la seule qui n'est pas parallèle à la voie de chemin de fer, elle est perpendiculaire, parce que là, il y avait le téléferrage qui ensuite montait vers Cleuson. Donc, il y a des facteurs plus ou moins discrets, plus ou moins visibles. La protection de la nature, il y en a déjà qui la défendent en 1918. Je pense à Edmond Bille, par exemple, qui s'insurge contre la vente à l'usine de Norena de la cascade de la Pissevache, une des plus belles cascades de Suisse. Il parle d'une spéculation éhontée, donc en 1918 déjà, et signale que il y a la forêt de Pinchipis qui meurt. Par les émanations nocives de Chipis, qui en plus développe ses activités en direction de l'Allemagne. Il le dit pour... Je connais des gens qui ne demanderaient qu'à faire un lac de tout le Valais pour pouvoir fabriquer quelques milliers de tonnes d'aluminium de plus, métal qu'on envoie en Allemagne, où il sert à la belle besogne que nous savons. Il annonce déjà pour le Val d'Anivier, moirie aussi, qu'on va noyer ce magnifique vallon. Donc, on a déjà des sensibilités très tôt contre ces intérêts matériels dénoncés par Edmond Bille. Merci, Myriam Evéco. Monsieur Jean Pralon, sur ce thème géographique, quelque chose à compléter Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Tout d'abord, ce qui me rassure, c'est que le développement de l'hydroélectricité a deux faces, comme les médailles. Une face, ce sont les impacts, et l'autre face, c'est simplement l'impact positif
sur le développement économique, je dirais, de l'ensemble du Valais, depuis le fond des Valais jusqu'en plaine. Parce que je crois qu'il faut aussi le reconnaître que sans le développement de l'hydroélectricité au début du XXe siècle, il n'y aurait pas d'usine en plaine, dans la plaine du Rhône, que ce soit dans l'Haut-Valais, dans le Valais central, dans le Coude du Rhône et jusqu'à Montais. Et là, je crois que c'est une... Je me suis posé quelques questions. Pourquoi, effectivement, on ne parle en Valais que d'hydroélectricité et non pas de l'industrie hydroélectrique, qui est une autre facette, justement, des impacts? Eh bien, je suis arrivé à la conclusion qu'on pourrait expliquer cette différence parce qu'il y a, dans l'histoire du développement de l'hydroélectricité, j'entrevois deux grandes phases. C'est la phase du XXe siècle, qui est une phase particulière parce que tout le secteur de l'hydroélectricité est organisé en monopole, et cela aussi bien en Suisse qu'en Valais. Et c'est pour cette raison, quand l'on parle à des Valaisans de l'hydroélectricité dans les vallées alpines, eh bien, en général, le schéma se résume à peu de choses. On parle d'utilisation de la force hydraulique, on parle de concession de force hydraulique, on parle de droit de redevance hydraulique et de droit de retour, si possible, avec pleine indemnité. Et ça, je dirais que c'est une approche, justement, du XXe siècle. On a entendu tout à l'heure qu'effectivement, au début du XXIe siècle, eh bien, effectivement, ce secteur a été, je dirais, emporté par le développement de toute industrie qui doit faire face à un marché où la concurrence est forte. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, hydroélectricité, ça ne veut plus dire grand-chose au XXIe siècle. Par contre, si je dis l'industrie hydroélectrique dont le développement a commencé au début du XXe siècle, eh bien, oui, ça devrait parler plutôt aux jeunes qu'à ceux de ma génération, parce qu'effectivement, les règles du jeu, les organisations du fonctionnement d'une industrie ne sont pas du tout les mêmes que les règles de fonctionnement du monopole qui, pour les collectivités publiques, pour une commune de montagne, voire pour le canton, eh bien, chaque année, les redevances tombaient, l'impôt tombait dans la caisse communale. Pourquoi se préoccuper ? On ne se préoccupait pas de la vente du produit, tout fonctionnait à merveille. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est pour cette raison que, je dirais, si l'on parle de l'industrie hydroélectrique, eh bien, pour moi, ça veut aussi dire qu'on ne peut pas se limiter, comme au XXe siècle, à vouloir organiser ce secteur industriel uniquement en fonction des règles qui sont sympathiques à la politique, parce que les règles du jeu sont autres. Et d'autre part, Valais alpine, il faudra aussi que le Valais pense que ce n'est plus comme à l'époque où on appelait Valais alpine, c'était les vallées concernées par les redevances hydrauliques, par les droits de retour et tout ça, et c'était surtout les vallées qui étaient situées perpendiculairement au Rhône. Bien, à l'époque de Google Maps, et du marché de la concurrence, on peut aussi voir le Valais différemment. Il faut le voir d'un peu plus haut. Et puis, effectivement, les vallées alpines, ce sont toutes les vallées qui sont situées dans les Alpes, dans la chaîne des Alpes. Par conséquent, je crois que pour répondre à certaines questions qui ont été soulevées tout à l'heure par le groupe qui a traité un problème très délicat pour la survie de l'hydroélectricité, eh bien, je crois qu'il faudrait aussi intégrer la vallée du Rhône, qui ne sera plus du point de vue hydroélectrique la plaine du Rhône, mais la vallée du Rhône est solidaire avec toutes les vallées du Valais, de telle façon que l'on puisse développer un nouveau système plus concurrentiel, plus rationnel, mais qui ne devraient pas devenir des friches industrielles. Et ça, je m'en réfère à la jeune génération, qui, pour l'inviter à prendre un peu de hauteur pour traiter ces problèmes, parce qu'effectivement, le marché n'a pas de pitié. Ça, c'est l'autre face de la médaille, mais je crois que pour comprendre la deuxième face, il faut aussi comprendre l'histoire qui a été soulevée tout à l'heure. Emmanuel, une réaction sur ce point-là ? La vallée du Rhône vue d'en haut. Excusez-moi.
Oui, alors effectivement, d'un point de vue purement hydrologique, et on se rend bien compte, notamment dans le cas de la gestion des crues du Rhône, en fait, le système, c'est le Rhône à l'amont du Léman. Hein, le Léman, c'est quand même une barrière hydrologique qui fait que ce qui se passe à l'amont n'est pas ce qui se passe à Genève et plus loin. Mais du point de vue du fonctionnement hydrologique du fleuve, effectivement, c'est l'ensemble du bassin du Rhône qui est concerné et qui est pris en compte. Donc, ce qui vient d'être dit sur, finalement, le fonctionnement plus politique et économique, de voir l'ensemble, et peut-être de moins parler de la plaine du Rhône, les problématiques sont aussi un peu différentes. Je pense que c'est une très bonne piste de réflexion. Myriam ? Donc, voir l'ensemble, c'est une vision du 21e siècle. Le développement économique du Valais s'est fait dans un système relativement complexe, difficile d'imaginer pour nous maintenant, parce qu'il n'y avait pas la perception de l'ensemble. Le fédéralisme communal qui prévalait dans les années 1890 où la force hydraulique a été concédée faisait que le pouvoir de décision des communes restreignait les visions plus générales, même au niveau des districts. Et la législation valaisanne, la loi sur les forces hydrauliques de 1898, elle attribue le Rhône au domaine de l'État pour l'octroi de concessions et les cours d'eau latéraux aux communes. Donc c'est un cas particulier. En Suisse, il y a les Grisons qui sont sur le même sur la même base, ce qui a donné un poids prépondérant aux communes, qui peuvent même, étant riveraines d'un cours d'eau, être l'une favorable, l'autre défavorable à l'octroi de concession. Dans ce cas-là, c'est le Conseil d'État qui va trancher. Mais on a des communes dans le cadre, donc Jean-Henri a parlé tout à l'heure des réalisations concurrentes de la Grande Dixence, qui avait les faveurs du Conseil d'État, notamment de Maurice Troyer et de Mauvoisin. La commune de Sambranchet réussit à bloquer pendant 4 ans le démarrage du chantier de Mauvoisin, qui intéressait en fait économiquement toute la vallée de Bagne. Donc on ne doit pas oublier que ce qui s'est construit dans un régime institutionnel qui empêchait cette vision d'ensemble. Le canton n'avait aucune marge de manœuvre, dans le sens que les finances cantonales ne permettaient pas de s'investir, de prendre des parts, alors que ce sont des questions déjà qui sont soulevées à l'octroi de la concession du Bois Noir, où des députés se disent « Mais écoutez, la concession, ça vous rapportera 35 000 francs par année, mais pourquoi ne pas être partenaire et, bénéficier de des bénéfices ?» Donc, mais le canton ne pouvait pas, à ce moment-là, dans le système institutionnel et dans les finances cantonales, prendre en compte une vision d'ensemble. Et d'une manière plus large, toujours Myriam Evéco, l'impact économique sur le canton, sur l'économie du canton d'une manière globale, l'impact de l'hydroélectricité. Comme l'ensemble du monde alpin, la force hydraulique constitue un levier, un facteur essentiel de développement, avec des phases qui sont en deux temps. La première phase commence donc des années 1890 jusqu'à partir de 1890, disons, où là, le courant ne peut être acheminé et l'implantation des usines doit se réaliser à la source de l'aménagement hydroélectrique. C'est ce qui a donné l'implantation des usines dont Jean-Henri vous a fait l'énumération tout à l'heure, j'y reviendrai pas.
Ces usines fonctionnent avec un régime hydraulique essentiellement basé sur la période estivale où l'eau est abondante, ce qui fait que, par exemple, les usines de Chipis, au début du XXe siècle, elles ferment durant l'hiver parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Donc on est dans une dynamique, dans la première partie de cette utilisation des forces hydrauliques, qui a un impact certes sur l'économie cantonale par l'implantation de ces grandes industries qui restent aujourd'hui encore les principales industries du canton, et même le Valais est le deuxième pôle industriel de la Suisse pour l'industrie chimique et métallurgique. Donc cet élan de la première étape a, si vous voulez, donné des résultats probants. La deuxième étape commence à partir de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Henri a parlé aussi de l'atout du Valais par rapport au projet, parce que pendant la guerre, tous les esprits s'échauffent, l'énergie devient stratégique, et les grands projets d'Ourseraine, qui étaient couplés aussi avec, on allait noyer la vallée de Conches pour amener l'eau dans le barrage d'Ourseraine, etc., ou que ce soit Hinterrhein au Grison avec Splügen. Donc l'opposition a fait que le Valais est devenu vraiment un terrain de choix pour les investissements. Et c'est vraiment plus de 5 milliards de francs sur des grands projets qui arrivent d'un coup après la Seconde Guerre mondiale en Valais. Ça déstabilise, le gouvernement ne peut pas intervenir pour dire on est tâche, pour occuper durablement notre main-d'œuvre. Donc on a là une dynamique qui change totalement aussi, parce qu'il s'agit à ce moment-là non plus d'une exploitation près des usines, mais il s'agit là de vente du courant et de commerce du courant. Donc l'énergie, l'industrie hydroélectrique, elle est tournée vers l'exportation du courant, alors que dans la première phase, elle était dans l'utilisation du courant. Et ces grandes usines qui s'installent, elles bénéficient aussi des infrastructures ferroviaires. On a le tunnel du Simplon qui ouvre en 1905, le Lötschberg. Donc il y a des facteurs vraiment favorables pour ce développement économique. Il y a également le tourisme. Le tourisme de la Belle Époque nécessite des hôtels de luxe avec chauffage, électricité, chemin de fer de montagne aussi. Donc on a non seulement le secteur secondaire, mais le secteur tertiaire qui bénéficie de tout cela. La guerre, c'est extrêmement intéressant aussi parce que c'est une énergie stratégique. Pendant la Première Guerre mondiale, les usines valaisannes tournent à plein, comme l'a dénoncé de Monby aussi en direction de l'Allemagne ou de la France. Une usine d'obus, notamment, s'est ouverte à Fuy en 1916 pour la France. Et chaque entreprise avait des infrastructures neuves, avait son propre courant, était protégée de la concurrence étrangère. Donc, un grand atout. Dans l'entre-deux-guerres, crise économique, mais les grandes entreprises peuvent vendre déjà le courant. Et après la Deuxième Guerre mondiale, donc là, comme je vous l'ai dit, c'est l'hydroélectricité, l'industrie d'exportation du courant. Par contre, le Valais manque d'électricité puisque tout est exporté, ou la plus grande partie, et c'est à partir de là qu'on cherche à développer des éléments plus bénéficiaires pour l'économie locale, notamment l'implantation de nouvelles industries. Enfin, cette industrie hydroélectrique, elle amène des commandes pour l'ensemble du tissu industriel valaisan, que ce soit usine d'explosifs, construction métallique ou autre. Nous avions parlé du réseau routier, tourisme également. Et c'est tout le secteur des affaires bancaires qui se développe par l'intervention des grandes banques suisses qui rachètent des banques locales. Et enfin, comme il a été déjà souligné dans la première table ronde, les redevances hydroélectriques, le Valais essaye de les augmenter à partir des années 1947, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est vraiment très lent pour obtenir la rétribution du courant en relation avec les marges bénéficiaires des entreprises hydroélectriques.
le palier le plus intéressant pour le Valais, donc c'est soit justement dans les années 50, soit dans les années 86, quand les chambres fédérales octroient cette augmentation. Donc il ne faut pas oublier que la crise pétrolière des années 70 renchérit les prix de l'énergie, et puis durant toutes ces années-là, ben, ce sont de grands bénéfices qui ont été engrangés par les compagnies hydroélectriques. La physionomie de l'emploi change. Le secteur primaire, bon, est en chute libre entre 1900, donc à 66% de la population active, jusqu'à nos jours à moins de 3%. Le tertiaire fait l'inverse, donc de 14% jusqu'à plus de 75% aujourd'hui. Par contre, le secondaire, il fluctue et on se retrouve pratiquement aujourd'hui avec la situation des années 1900, donc autour de 20%, mais avec un énorme accroissement dans la période où les barrages étaient en construction. Donc voilà, peut-être un peu rapidement ce schéma. Pour les retombées locales, pour Anniviers, puisque c'est tout près d'ici, une étude montre que c'est très difficile à chiffrer. On a remarqué pour les historiens la difficulté d'avoir accès aux sources pour les grands barrages, que ce soit la Dixence ou ailleurs. Et en fait, l'importance du chantier de Moiré aurait été surestimée en termes de retombées sur l'emploi local, mais c'est les éléments positifs, ça veut dire la construction des routes, qui a permis la pendularité, donc qui a évité la baisse de l'exode rural, et bien effectivement les taxes et redevances, parce que c'est en 1965 entre 45 et 55% des recettes communales. Donc voilà très brièvement un tableau des retombées de cette activité hydroélectrique en Valais. Et dans les retombées, Jean Pralon, comme ancien président de commune, elles sont visibles sur le terrain? C'est vraiment plus large que simplement la production de kilowattheures qui sont vendues? Non, alors là, je crois que pour les régions, je dirais, des vallées latérales, le développement de la force hydraulique a permis effectivement de sortir toutes ces régions, je dirais, d'un niveau de vie qui était strictement rural, où les accès étaient excessivement difficiles et en hiver quasiment impossibles, et pour pouvoir, je dirais, développer ce soit le tourisme ou même effectivement les infrastructures qui étaient nécessaires, que ce soit la construction de routes, des écoles, avoir de l'eau potable en suffisance, et puis de pouvoir aussi développer tout le système scolaire. Et là, je crois qu'on doit être reconnaissant, je dirais, aux gens qui ont osé et qui avaient les moyens de développer, le secteur hydroélectrique. Et je crois qu'effectivement, leur travail a été déterminant pour le développement, je dirais, des vallées latérales. Mais j'insiste toujours que sans hydroélectricité, nous n'aurions peu ou pas d'industrie en Valais. C'est-à-dire que ce développement a un impact sur la totalité du Valais. Et c'est simplement, je dirais, un artifice légal et juridique qui fait qu'on a l'impression que chacun est autonome dans son coin. Et là, je dis, s'il y a un secteur qui ne connaît pas de frontières, qu'elle soit communale, qu'elle soit valaisanne, qu'elle soit suisse, voire européenne, pour des raisons physiques, c'est bien l'électricité. Et là, je crois qu'on devrait commencer à aborder ce problème avec cet impact-là et prendre un peu de hauteur et puis se dire, eh bien, écoutez, on n'est pas seul, parce que seul, l'électricité ne fonctionne pas. C'est comme le Valais, tout seul, ne peut pas, vivre ou bien avoir une alimentation d'électricité qui correspond aux besoins, parce qu'on produit aussi, avec l'hydroélectricité, quand on a de l'eau, et on ne produit pas quand il n'y a pas d'eau, et que par conséquent, on a besoin d'élargir l'horizon pour pouvoir effectivement travailler ensemble et être solidaire, pas seulement pour les redevances, mais pour aussi l'approche des problèmes. Merci Jean Pralon. On va, comme il est déjà bientôt l'heure de terminer cette table ronde, peut-être remonter aussi dans les nuées et de
voir, Emmanuel, l'évolution des mentalités, comment elle s'est faite et comment elle a pu influencer l'idée qu'on a des barrages, par exemple, d'un point de vue environnemental, par exemple. Alors ça, c'est une question piège, parce que, d'une part, je suis de loin pas un spécialiste des questions de... on dira des études des mentalités. Peut-être je rebondirai sur ce dont on avait parlé un peu au début sur la question de finalement des impacts environnementaux. Je pense que deux réflexions. La première, c'est que je me suis toujours posé la question est-ce que on pourrait construire les barrages entre 45 et 60, 80, là, sur 30 ans hein, à peu près, est-ce que si on démarrait ça maintenant, est-ce qu'on pourrait le faire? Et je pense qu'il y a un point qui est très important dans ce développement des barrages, c'est le fait que finalement la législation environnementale était très faible et a permis de faire assez rapidement des gros ouvrages qui avaient des impacts très, très, très importants. Et qui maintenant sont présents sur le territoire. Et ça, je pense, c'est un point assez important de différence avec la période actuelle, où on voit par exemple dans le cas des éoliennes, qui ont quand même des impacts, on dira, sur le paysage, qui sont très différents hein, de ces grands chantiers des barrages, où les procédures prennent énormément de temps. Or, ça ne veut pas dire que je suis content que la législation environnementale ait démarré tardivement, mais c'est un constat qu'on peut faire à ce sujet-là. Et puis, je dévie un peu de la question parce que j'ai rien d'autre à dire là-dessus, mais peut-être juste revenir sur ce lien entre finalement l'ensemble des parties du Valais qui a été souligné par M. Pralon et le fait que finalement, si le Valais est aussi un canton industriel, c'est lié à l'hydroélectricité. Je dirais qu'on pourrait même aller un petit peu plus loin. À mon avis, ça a eu un impact aussi très important sur la transformation de l'agriculture avec le développement du modèle de l'ouvrier paysan qui a permis finalement peut-être de faire une transition d'une économie où on avait 80% de la population qui travaillait dans l'agriculture à la situation actuelle où on n'a plus que 5% à peu près, voire moins. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait d'une certaine manière un petit peu en douceur et où on a en fait une chaîne entre finalement le démarrage de l'hydroélectricité et la situation actuelle. Et la dernière question pour Myriam, par rapport aux changements de mentalité, par rapport aux concessions, aux changements de perception par rapport aux concessions, pour lancer presque déjà le débat qui suit. Avant, je fais juste une petite mention, très très courte. Le canton du Valais a bénéficié des redevances, donc chaque fois qu'il y a une augmentation significative, pour développer la formation. Alors la loi scolaire de 1962 et l'intervention du canton dans l'enseignement primaire, enfin, c'est la première augmentation obtenue. Et puis nous sommes dans une HES, donc l'augmentation des redevances, pratiquement un doublement dans les années 80, a permis de développer la formation tertiaire en Valais, donc, puisque nous sommes ici dans cette maison. En ce qui concerne la concession en soi, c'est un peu difficile peut-être de voir quelle est la perception, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, qui l'octroie. Le fait par exemple que le canton s'approprie le Rhône lors de la loi de 1898 soulève un grand tollé de la part des communes riveraines du Rhône, parce que la première correction du Rhône s'est faite à 60% à la charge des communes, à 30% de la Confédération et seulement à 10% du canton. Alors elle se disait oui, alors quand le Rhône coûte, il est à nous, quand le Rhône rapporte, il est au canton. Donc, mais il y a eu quand même unanimité à l'époque pour garder les cours d'eau latéraux dans le giron des communes. Il est 11h30, pardon. Il reste encore une table ronde avant le repas. Comme il s'agit d'un sujet surtout exposé, historique, qui va rebondir probablement dans les autres tables rondes,
Je ne vous propose pas de questions à la salle, mais je vous propose, si ce n'est une pause, c'est une pause ?